Bienvenue sur la chaîne. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker ou à vous abonner. Allez, je m'amarre. Et je vais par là. J'avais pas vu qu'il y avait un passage par là. C'est pas malin. Et on va faire le spark. Et voilà. Impec. Et la spark ici qu'on peut choper. Alors ici, qu'est-ce qu'il y a? On va quand même mettre un peu de lumière. Enfin, de lumière. Essayer de voir s'il y a des secrets. Il n'y a pas de secret. Est-ce que ce truc-là était avant et que je l'ai pas vu, ou est-ce qu'il a été activé par autre chose? Je ne sais pas. Allez, les cartes au trésor, j'y comprends rien. C'est parti. Les héros, wow, je suis content de vous voir. C'est Cacophonie. J'ai trouvé un coffre à trésor, mais il est verrouillé. Le seul indice permettant de l'ouvrir est une ancienne énigme pirate. Lève les fanaux. Aujourd'hui, d'aujourd'hui et d'alors, lève pour faire face de bâbord à tribord et cap sur le trésor. Okay. Mon bon monsieur, nous sommes des héros. Nous échiner à sortir un trésor d'un trou serait immoral, indigne de nos efforts et atrocement vulgaire. Mais si quelqu'un nous demandait de récupérer un trésor, ma foi, ce n'est pas la même limonade. Ok, il y a 5 piliers. Ensemble, ils devraient déverrouiller le coffre. Je peux les surélever, mais je ne peux pas les allumer. Bipo, le mécanisme interne des piliers étant ultra sophistiqué, l'un de tes pouvoirs pourrait les activer. Lorsque le coffre sera ouvert, aucune raison pour moi de rester ici. Je mettrai mes pouvoirs spéciaux à votre service. Allez, on va voir ça pour les piliers. Hein. Chasse au trésor, activez tous les phares. Mais on va essayer de trouver tous les phares et on va les activer. Alors, le mieux, c'est de essayer de retenir où on était. Donc, on va regarder ici le point, le drapeau. Pour pouvoir revenir, le drapeau, c'est... Drapeau du Soul Chanteur. Et on va aller faire les piliers, hein, si on les trouve. Allez, on va se concentrer sur les piliers. Et on va tenter de les allumer. Alors, où est-ce qu'ils sont ces fameux piliers? On embarque. Est-ce qu'ils sont dans l'eau ou quoi? Je vais explorer un petit peu pour voir si je trouve les piliers dans l'eau ou pas. On va accélérer, hein. Et on va se mettre à la recherche des piliers. On va naviguer un petit peu. Ah, c'est un des piliers, ça. Il y en a déjà un ici. Ça fait déjà un. Et il y a l'anneau vert aussi à faire. Ah, bon, on va faire le défi vert. On le fera après. Donc, il y a le pilier ici. Alors, on fait un pouvoir spécial. Voilà. Alors, je suppose que ce pilier nous montre où est le suivant. Donc, j'aurais tendance à dire qu'il faut aller dans la direction... Allez, c'est parti. Dans la direction de la lumière qu'il nous donne. Enfin, c'est peut-être trop optimiste, hein, mais... Allez, on accélère. Ouais, je me suis trompé de touche encore, comme toujours. Accélérer, c'est X. Allez, c'est parti, on accélère. On va essayer de trouver les autres piliers. On va aller par ici. Je vois pas de pilier par ici, mais... Hop. Ah, il y a un pilier là. Voilà le deuxième pilier. Alors, je vais vous le montrer peut-être sur la carte. Voilà. Donc, où est-ce que je suis exactement? Je suis là. Donc, vous avez un pilier ici maintenant, là. J'essaie de vous montrer au mieux, hein, c'est pas facile. Voilà, vous avez un pilier ici. On va faire les autres maintenant, hein, B. On retourne faire l'autre pilier. Alors, on va faire arrière, B, et on va aller vers la lumière. Donc, on va comme ceci, et on va se mettre dans le sens où il faut aller. Donc le mieux, c'est d'aller comme ceci, dans le sens de la lumière, donc par là. Il devrait y avoir probablement un pilier par ici. On va essayer de le trouver. Hein. Bon, je crois que j'ai vu un pilier là-bas, attendez. Bon, j'ai pété un truc. Le pilier là-bas, je crois. Ici, il y a un pilier, voilà.
Alors je vais l'activer puis je vous le montre. Hein. Hop. Voilà, je l'active. Ça fait 3 déjà. Je vais vous montrer où on est. Donc, le pilier suivant se trouve ici. Voilà, on est ici. Voilà, ça c'est le pilier suivant. Voilà, on est ici. Bon, allez, je vais faire le suivant maintenant. J'essaie de trouver le suivant. On va faire B arrière. Alors, par où il y en a encore 2 autres. Il y en a un par là. Il y en a un plus dans l'autre sens. Dans quel sens, quel est le sens qu'il nous donne? Ce sens-là, ben on va aller dans ce sens-là, B. On va essayer d'en trouver un autre. Bon, si on n'a pas un par là-bas. En théorie, non, hein, puisque... Bon, je ne sais pas, on va voir. Allons par ici, on verra bien. Si on trouve pas un autre pilier par hasard. En même temps, on ramasse des pièces, on fait le tour. On verra bien. Un coffre à péter. Hop. On fait tout le tour. On regarde si on voit pas encore un pilier. J'en ai pas vu par ici en tout cas. Un coffre. Ouais, c'est trop tard. Bon, je cherche toujours les piliers. Je me suis un peu perdu. Il y a le truc vert ici. Il devrait y en avoir un par là-bas. Donc on va aller par là. On va aller par ici. J'arrive. J'en vois pas ici. Voilà, celui-là. Il m'en manque encore 2, hein. Mine de rien. Encore péter le coffre là. On va passer en arrière maintenant. Et on continue à naviguer. On cherche les piliers. Je sais qu'il montre avec le trait de lumière où est le suivant. Mais là on peut accoster. On n'a pas encore été. Ce sera pour plus tard. Toujours à la recherche de ces fameux piliers. Encore un truc ici. Hop. Alors j'espère qu'ils sont forcément dans l'eau. Hein. Ça c'était pas clair. On est par ici. Nous serons entendus. Nous serons manœuvres. Ah, on arrive à la limite de la carte. Ah, il y en a un là. Voilà encore un pilier ici, je vais vous le montrer. On a un pilier ici, je l'active. Et je vous montre. Donc ça fait 4, il nous en manque encore un, le dernier à trouver. Donc il y en a un pilier aussi, ici. Donc là je suis, où est-ce que je suis sur la carte? Attendez, hein. Je cherche ma position, là. Donc un pilier ici, là. Donc près des petites îles ici. Et on va essayer de trouver le dernier. Hein. Ce serait bien de le trouver. Alors qu'est-ce qu'il donne comme direction? Par là on l'a déjà. Par là, ben on va aller par là, on verra bien. Hein. Donc celui qui est par là, on le voit, il est là. Donc on doit en avoir un ici, dans le chemin, plutôt par ici. Allez, j'accélère. Dans cette direction-ci, il est peut-être planqué sous le pont. Ok. Non, je ne le vois pas. C'est pas ici. Il y a ce pilier-là. Il renvoie sur les deux ici. Sur un là et un là. J'ai encore les sous le truc ici. Est-ce que le dernier se trouverait ici? Non, on peut pas. Non, c'est dans cette zone-ci, hein, donc on va pas changer de zone. On va retourner par là. Ah, faut trouver le dernier. Hein. Je
Je commence à me demander si le dernier phare serait pas invisible. On va chercher comme ça. Donc comme ça. Et voir si on va pas le trouver. Parce que c'est juste pas possible. Je me suis trompé de touche. Alors, la touche ici, la touche là. Parce que c'est quand même pas possible. Ah ben voilà, ici. Voilà, il y avait le truc. Mais voilà, le dernier phare. J'étais tout prêt en plus. Et maintenant, on l'active. Et voilà. J'étais tout prêt en plus. Le cinquième et dernier phare étant activé, le coffre est sûrement déverrouillé. On va aller voir le coffre. Avant que Mutin et Boucagny ne s'en emparent. Ce qui ne manquera pas de décevoir notre nouvel ami Spark, j'en suis sûr. J'aurais cherché comme un idiot. Et en fait, il était là, tout simplement. Au milieu, là, tout près. Je l'avais pas vu. Alors, ce que je vais faire, c'est vous montrer déjà où c'est. Donc, si maintenant, vous enlevez le truc, le dernier phare, il était exactement ici, en dessous de la bestiole, là, et vous devez le faire apparaître en faisant apparaître les objets qui sont, comment dire, invisibles, hein, avec le pouvoir. Donc, comme ceci, avec ce pouvoir-là. Et maintenant, on va retourner récupérer notre coffre, qui se trouve ici. Donc, il faut faire le tour, il faut aller accoster. Donc, on va accoster. C'est parti. Ça, j'ai pas pensé tout de suite à chercher les objets invisibles. Je pensais qu'ils seraient visibles, en fait, le coffre. Enfin, c'est une bonne leçon pour le reste des let's play. Voilà, on va vite aller récupérer le coffre. Ici. La musique est la voix de la création. Oui, le coffre est débloqué. Ouvrons-le vite, qu'on se roule dans les doubles. Bipo. Cette flaque de confusion braque-centue encore plus le déséquilibre des jardins mélodieux. Nous devons la nettoyer immédiatement. Allez, on fait la flaque de confusion ombre. Non, non, c'est ma faute. Je suis entièrement... Cette vidéo s'achève ici. Je vous dis merci et à bientôt sur la chaîne.